Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Siri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vesemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Tout est en argent. L'or ne sied pas à mon pain. Tu devrais le savoir. Je me disais que Siri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Tu m'as manqué. Énormément. Moi aussi. Mais nous aurons bien le temps de nous retrouver plus tard. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, un sous-vêtement. Le sorceleur dort comme une bûche, et Siri s'est encore volatilisée, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein ? Quoi ? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghoul.
Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé ? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas ? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas ? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, non ? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends, bah. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Pense au périlleux ? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations ? En attendant, c'est surtout de Vesemir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... ce livre, quelle barbe ! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vesemir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Beurre. Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs ?